Bonjour, bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec plaisir et contentement d'Anker, que m'y retrouve à Zotatella pour faire un rougail saucisse de façon très très simple, de façon ancienne même, de mon demande à moi de faire ça, et donc voilà mon façon ancienne. Donc on va mettre un petit peu de l'ail dedans parce que bon bah, le saucisse, n'aille mettre pas trop d'épices ces derniers temps en dedans, et comme ingrédient, on a eu besoin tout simplement des oignons, de la tomate, on va pas mettre de curcuma du tout en dedans. Alors ça c'est un plat traditionnel, hein, dans le temps longtemps, quand vous montez faire au gaille saucisse, la plupart du temps, ils mettent pas du tout les épices en dedans, n'a pas été mettre rien que l'ail, ou sinon ça, rien que tomate et que oignons. Là, moi, la faillite de façon simple, mais quand je fais ce rougail saucisse-là de façon simple comme ça, il faut faire attention d'avoir des saucisses de qualité traditionnelle pour pouvoir le faire. Sinon, je n'aurai une surprise, je n'aurai point de goût du tout. Pour en ce qui concerne le rougail saucisse, de Moon, il fait ça à différentes façons. Hein. Chacun a son manière, son technique de faire. Et Nena, il fait bien frites de saucisse rose. Nena, il fait la sauce tomate. Rappel à eux, dans le temps longtemps, dans les écoles, comment Manate il fait. Manate, il met, t'es fait la sauce tomate, t'es fait frites de saucisse. Après, t'es arrose la sauce sur le plat et t'es mettre le saucisse dessus, des saucisses entières que les marmailles, t'es, ils mangent. Comme là, elle est un peu pareille, hein, donc elle n'a pas changé la tradition que Manate fait. Hein, c'est une sauce tomate avec des saucisses que les ajouter dessus. Elle était pareille aussi par rapport aux bannes sardines dans le temps longtemps. Voilà, Mala fait frites les saucisses pas trop roses. Hein. S'il nous fait frites trop roses, il sec, les pas trop gaillard. Juste ce qu'il faut, ajouter les oignons à l'intérieur. Fait bien revenir les oignons comme vous allez voir là sur l'image. Ajouter le l'ail tout court avec un petit peu de sel. Alors bien prendre un petit morceau de saucisse, goûter pour voir si le saucisse est un peu fade, ou sinon ça il manque sel. Bon, s'il manque sel, je t'y ajoute, sinon je t'y ajoute pas du tout. Voilà, il faut prendre des tomates bien mûres, pas bonne tomate sous la serre là, bonne tomate sec là, tomate bien juteuse là comme je t'y vois là, et nous va m'y va bien mélanger avec les oignons que l'a bien roussi en dedans, le l'ail, tout les saucisses ensemble, et nous tournons les tomates comme ça. Pour les tomates de maintenant, comme il dit, hein, les juteuses, on a le jus dedans si vous voulez, mais la plupart du temps, il sèque trop facilement. Donc, on peut ajouter quelques gouttes de l'eau dedans, disons 5 centilitres de l'eau en dedans pour pouvoir faire un peu de sauce. Parce que manger un rougail saucisse sans sauce n'est pas évident et pas gaillard du tout. Hein. Donc là, c'est dans la pire. Comme tu vois là, il est quasiment bon pour mettre à terre. Et le rougail saucisse, c'est un plat traditionnel. Et ça, il mange souvent avec un zambocal, un haricot rouge, un zambocal quoi. Ça, il passe très très bien avec. Mais tu peux manger avec d'autres choses. Alors comme condiment, un bon sauce piment, il va bien. Un bon salade concombre, si vous aimez concombre là, bon salade. C'est 4 nous va faire un salade concombre pour vous autres, hein, montez autres comment il fait. Enfin, de mon façon, hein. Je connais que beaucoup des spécialistes sont dans là, il a bien fait salade concombre. Et puis sinon ça, bon sauce piment, il passe très très bien avec. Et surtout, quand nous faisons un rougail saucisse, évite surtout le fameux rougail tomate. Parce que si je fais un rougail saucisse, il y a déjà tomate. Ou à mettre des tomates dedans encore, n'est pas évident. Voilà, là, pour la préparation de ce plat-là, c'est du riz, du gros pois frais de préférence. Hein, si vous en avez des secs, elle n'a pas de problème. Mais le gros pois frais, il est pas mal du tout pour manger. Et puis, moi, on a fait aussi un bon fricassé le chou pour mettre en dedans. Hein. Fricassé le chou, il n'est pas mauvais du tout. On peut mettre ça bien avec du, comme ça, tu vois là, hein, un peu de sel, l'ail, un petit peu de piment, des oignons. Les autres, tout, on a eu vite fait. Il ne faut pas laisser le chou trop cuit parce que le chou cuit, il fait monter le taux de sucre dans notre corps. Là, le taux de glucides, il augmente beaucoup si le chou est très cuit. Et là, comme il est comme ça, là, il va ajouter les saucisses sur le côté. C'est un rougail saucisse que tu peux faire aussi avec des saucisses fumées. Les saucisses fumées aussi, nous avons fait sur notre bonne recette. Les pas mauvais du tout et les agréables. Alors, comme on me dit souvent,
chacun a son technique, son façon de faire son rogail saucisse. Alors, mis ça, moi pas là pour apprendre aux autres faire un rogail saucisse, moi est là pour montrer aux autres la façon dont m'y fait, la façon que moi mon bon de mes parents là apprendre à moi, et puis mon façon d'aller courir un petit peu à gauche et à droite, de voir un petit peu comment il fait, et à ce moment-là nous partage ça pour le plus grand plaisir. Voilà, la recette l'a fini. Mi remercie aux autres d'avoir suivi ça. Mis aux autres, tiens, bosser et largue pas, et à bientôt pour une nouvelle recette. On y retrouve.